je me dis que tu sois là. Et toi? Et quoi, moi? Mais tu es heureux? Ouais, sans ça, que je serais là. Hein. Non, non, arrête, on est fous là. Oui, mais écoute, quand tu m'as dit qu'il t'avait dit qu'il était pour le week-end, tu veux presque en rentrer. Il avait vraiment à tenir à ce que je vienne, hein? Oui, oui, bon, à côté. Alors, j'espère qu'on n'arrivera à se retrouver. Oui. Tous les deux. Oui. Rien de toi. Oui, oui, écoute, il faudra faire très attention, d'accord? Et surtout pas d'un bruit dans le sang. Non, ne t'inquiète pas comme ça. Non. Viens voir, tu nous ai préparé cette petite chambre. Ouais. Viens, c'est là. Tiens, voilà, c'est toi. Viens, toi. Eh bien, moi aussi. Écoute, tu as une mine super. Ah, toi aussi, hein, oh là là. Merci. Eh bien, voilà. Ben, je suis ravi de vous rencontrer. Alors là, je suis tellement dans ça, me fait plaisir. Voyons, ah, oui, un ami comme toi, c'est tout naturel. Ah, ouais, non, mais... Ça avait les manières qui m'appellent. Non, 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 mais oui, je sais que tu l'as dit. Mais non, mais c'est parce que j'avais peur de vous déranger. Voilà, peur de vous déranger, là. Tu plaisantes, là. Alors, tu cherches un compliment. Non, pas du tout, mais je dis comment je suis, moi. Nous sommes enchantés que tu sois là, n'est-ce pas, ma chérie? Ah, oui, ça, oui. Tu vas être contente. Eh bien, moi aussi. Dis-moi, tu ne diras pas qu'il faut qu'on retourne au village parce que demain, tout sera fermé. Ah, oui, non, non, ne vous sentez surtout pas obligé de mettre les types là, les grands pour toi. Mais bien sûr que non. Et nous y tenons absolument, n'est-ce pas? Absolument. Je suis confus, vraiment. Il n'y a vraiment pas de quoi. D'ailleurs, c'est la première fois que tu es ici, je crois. Ah, oui. Ah, c'est. Alors. Ah oui, non, mais c'est... Première impression. C'est très, très joli. Oui. C'est arrangé avec un goût. Ah oui, mais ça, on sent là. Enfin, on la sent, quoi. Je suis ravie que ça vous plaise, mais vous savez, je n'ai pas tellement aimé. Ah oui, un peu. Elle garde pour nous ce qu'elle a de mieux dans son magasin. C'est bien ce que je dis, je n'ai qu'à choisir dans mon stock. Eh bien, alors, bravo pour ce choix. Merci. À propos, tu as montré sa chambre? Eh bien, j'avais faim, mais tu es arrivée. Eh bien, c'est celle-là. Ah, c'est bien celle-là que tu veux. Oui, parce que c'est la plus grande. Ouais. Alors, si vous voulez aller déballer avec ça. Mais volontiers, Jacqueline, bien sûr. Alors, surtout pas tel, hein. Ici, chez toi. Ouais, chez moi, oui. Je suis chez moi, oui. L'agence a téléphoné, il vous envoie une lettre. J'espère qu'elle sera bien. Oh, le femme de ménage, on lui demande pas. Enfin, est-ce pas l'agence du ménage? Attends, attends. T'as rien envoyé, là? Oui. Eh bien, oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Formidable, cette chambre. Elle vous plaît? Ah, beaucoup. Elle est vraiment éclatante, cette maison. Formidable. Oui, mais malheureusement, on n'en profite pas assez. Le rideau qui est derrière, toi j'ai vu, j'ai bien trouvé, c'est dommage. Et moi aussi, pour le faire. Et tu veux que ça se passe bien? À plus tard! Eh oui. Oh mon dieu! Oui, merci toi! Oui, bien sûr! Oui, tu bois quelque chose? Oui, merci, oui! Whisky on the rocks! Sans glace! Ah, sans glace! Oui! Oh! Mon dieu! Vois-tu, mon vieux, c'est épatant que tu sois là. C'est vraiment épatant. Oui, bah, tant mieux. Oui, non, parce que... Ben voilà, j'avais absolument besoin de t'avoir. Ah bon, pourquoi? Ben écoute, ça fait quoi? 5 ans qu'on se connaît. Ah oui, au moins, oui, 5 ans. Ouais, c'est pas possible. Possible. Non, enfin, écoute, moi je suis débordé, alors pourquoi c'est pas possible? Mais on est tous, on a le coin. Pourquoi? C'est pas parce qu'on voit pas très souvent. On n'est pas des vrais amis. Ça, bien sûr. Je peux avoir une totale confiance en toi. Tu peux. Non, mais tu veux juste sur ta tête, hein? Ah, parce qu'il faut être aussi sérieux que la mienne. Non, mais personne t'en parle. Ça, c'est très important. Bon, bah alors, bon, d'accord. Bon, alors, je te jure sur ma tête que. Que quoi? Et ce que je vais te dire là, restera strictement que vous. Ah oui, bon, mais c'est pas un mot. Ah oui, vous êtes entendu, c'est juré. Voilà, ouais. Bon, pas de problème, mon vieux, je peux faire confiance. Bon. Alors, je me lance. Allez, vas-y, lance-toi. Allez, raconte à ton vieux copain. Il y a un mois, ouais. Tout à fait par hasard, hein. Oui. J'ai rencontré un mannequin. Ah bon? Ah ouais. Un vrai petit bijou. Ah bon? Quelque chose de super. Ah bon? De super? Ouais. Je vais alors t'étonner. Non, non, enfin. Ouais, enfin, bref, toujours j'ai dit que je me suis très attaché à cette fille. Ah bon? Alors, tu m'en voudras pas, hein, mais en dehors du plaisir que j'ai à toi, bien entendu, eh ben, c'est surtout la raison pour laquelle tu m'en es venu. Ah bon? Mais parce que n'est-ce pas, je vois pas du tout ce qu'il y a faire là-dedans, moi, c'est très comme je ne pouvais pas refuser à Jacqueline de quitter Paris ce week-end, oui. Je t'ai demandé de venir ici pour ne pas être obligé de laisser Brigitte toute seule le jour de son anniversaire. Brigitte? Oui, c'est le nom de la fille, enfin, du mal. Enfin, c'est son nom, pas. Ah oui, mais bon, je vois toujours très bien, oui, bien sûr. Mais bon, c'est Bernard, je vois toujours pas le rapport qu'il y a avec moi. Mais c'est pas ordinaire. Je t'ai invité pour qu'elle puisse venir ici. Ah, parce qu'elle a fait. Bien naturellement. Eh ben, mais tu m'en parles plus beau, toi. Faire venir ta maîtresse chez toi, c'est pas moi qui m'aurais fait ça. Ah non, mais tu n'es pas du tout. C'est pas moi qui l'a fait venir. C'est toi. Je comprends.
comprends pas là. Bien oui, n'est-ce pas, comme je ne peux pas intervenir. Moi, c'est toi qui seras censé avoir un être invité. Ah bah oui, bah à quel titre? Oh, bah tu feras comme si c'était ta maîtresse. Ah bon, ça va. Jamais soupçonné que Brigitte n'est pas réellement ta maîtresse. Oh non, ça c'est du béton, c'est du béton, c'est du béton, béton, pas, moi je veux pas, hein. Alors, je veux pas, c'est trop tard, et c'est convenu comme ça avec Brigitte. Dès qu'elle arrivera ici, elle fera comme si c'était ta maîtresse. Alors mon Dieu, nous comptons pas sur moi pour les écrans, comme ça je vais marcher par un poids. Alors, tu sais pourquoi comment ça? Je répète parce que je comprends pas pourquoi tu refuses de prendre ce service. Mais c'est impossible. Mais pourquoi? Arrête, c'est pourquoi, hein. Réfléchis une seconde, ça ne tient pas debout. Mais c'est très bien. Mais non. Mais parce que si j'ai soi-disant une maîtresse, on aurait dû arriver ensemble. Là, voilà. Oh, mais non, certainement pas. Eh, je vais prendre le train exprès pour que tu puisses le dire avant et que je te mette au courant. Ah oui? Oh non, c'est très très bien. Ah oh, oui, mais le train va plus tomber en panne, là. Attends, tu es là. Oh, mais bon, peut-être. Oh, mais tais-toi. Je pense tout à coup que je ne dois pas rester. Tu vois, pourquoi? Alors, tiens, pourquoi t'es meilleur? Oh! Mais ça m'énerve pas, mais je vais te dire pourquoi, tiens, je vais te le dire. Allez, dis-le moi. Je vais te le dire. Ah, j'aimerais bien. Je vais te le dire. Allez, moi, je vais te le dire. Ah, je t'écoute. Oui, mais tu écoutes. Mais tiens, tiens, je t'en aurai. Oui, 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 oui. Alors, c'est, voilà, c'est parce que j'ai un vendeur. Ah, voilà. Un vendeur qui... Qui quoi? Hein? Oh, mais qui quoi? De toute façon, tu es dans les ascenseurs, tu ne connais rien aux assurances, et c'est... Toi, voilà, ça s'arrête aussi, tu vois. Et si je te rencontrais, c'est l'occasion de m'instruire. Non. Alors, qu'est-ce qu'il t'a fait, ton vendeur Kiki? Eh bien, il m'a vendu trois cabines à prix plancher, voilà. Et alors? Eh bien, voilà, et alors, il les a vendus sans les boutons, quoi, voilà. Hein? Et alors? Voilà, alors, si on peut pas poser les boutons, l'ascenseur, il marche pas, voilà. J'étais tellement content dans l'invitation que cette affaire m'était momentanément sortie de l'esprit. Mais là, tu vois, il faut que je rentre à Paris. Embêtant, ça. Mais qu'est-ce que tu veux, mon vieux? Dans tous les métiers, il y a des hauts et des bas. Surtout dans les ascenseurs. Je vais chercher ma valise. Alors, je dis, c'est très très embêtant pour moi. Parce que si tu t'en vas, je vais quand même être obligé de dire à Jacqueline que Brigitte s'en presse. Alors, mon vieux, tu dis ça que tu veux, tu m'en rends, tu te débrouilles. Mais je t'inquiète de te faire passer par l'autre fille. Et on a absence en plus. Alors, ne pars pas. Parce que de toute façon, que tu sois là ou pas, et c'est ce que je lui dirais, puisque c'est l'évidence. Mais il n'y a aucune évidence, puisque c'est faux, ça. Naturellement, c'est faux. Et comme c'est combiné pour avoir l'air vrai, ben moi, alors, je n'accepte pas, je m'en vais. Non. C'est terrible. C'est des ondes qu'on n'habite pas tout le temps. Quand on arrive, on s'aperçoit qu'il nous manque quelque chose. Oui. Eh bien, ne vous dérangez pas pour moi, parce que je pars. Comment? Oui, il n'y a pas qu'il veut s'en aller. Mais pourquoi? Oui, je viens d'expliquer que j'ai une affaire embêtante avec une vendeuse. Un vendeur. Et il faut que je rentre tard à Paris, quoi. Mais enfin, voilà, c'est ridicule. Ah, c'est bien ce que je lui ai dit. Toi, tu lui as dit quelque chose qui l'a vexé. Moi? Eh bien alors, oubliez votre vendeur. Ah, c'est impossible. Mais enfin, voyons, vous ne pouvez pas le faire, ça. Hein? Non, je veux dire, j'ai prévu un merveilleux petit dîner pour trois. Non, pour quatre. Hein? Enfin, c'est pour trois, mais vous pouvez manger pour quatre, si vous voulez. Non, mais t'inquiète pas, de toute façon, on va aller faire des courses et il y aura assez. Hein, ouais, tu ne voudras pas. Et pourquoi il a besoin de manger? Non, mais je crois que nous aurons vraiment de la petite comme quatre. Voilà. Comment sais-tu? Eh bien, voilà. Ah, c'est une idée de lui dire tout ça, puisque je pars. Donc, il faut se comment qu'il ne se coupe plus. Pas du tout. Disons qu'il est gêné, et c'est pour ça qu'il veut s'en aller. Tu comprends, bien sûr. Bien non, alors là, excuse-moi, mais je ne comprends pas. À peine arrivé, il veut partir, mais il est gêné, mais gêné de quoi? Plus de rien. Si, mais si. Gêné de m'avoir révélé la vérité au sujet de sa bien-dire. Mais non. Tiens-toi bien, il m'a avoué sa liaison. Mais j'ai rien dit! Pourquoi merci tu t'as lié en même temps? Parce que je suis au courant! Puisque je sais que c'est ta maîtresse! Mais non, j'ai rien dit! Mais tu es drôle! Si j'en fais un drame, moi, mais non! Non! C'était ça, vous voyez bien, vous avez vu, n'est-ce pas? Mais c'est-à-dire que. Alors, répète-nous devant Jacqueline ce que tu viens de me dire! J'ai rien dit! Puisque tu me
lui alors celui-là. Ne pas répéter pas ce qu'il vient de dire. Qu'est-ce que tu penses de ça? Non, mais... Hein? Qu'est-ce que tu veux que j'en pense? Moi? Qu'est-ce que tu m'as dit? Non. C'est si simple d'avouer. Mais non, mais... C'est-à-dire que si tu me dis qu'il te l'a dit... Mais non! Mais si! Alors avoue, hein? Eh bien oui, oui, j'avoue. Oui. Ah, tu avoues? Jacqueline veut dire. Elle veut dire ça comme ça, devant toi. Ça ne veut rien dire tout ça. Voilà, c'est par quoi? Eh bien, qui t'a dit que lui est. Brigitte! Ça va, Brigitte? Comment qui ça? Sa maîtresse? Comment? Mais c'est pas vrai! Ah, si, si, tout ce qu'il y a de plus vrai! Non, mais alors c'est ridicule! De plus quoi, tu me l'as dit? Oui! Non! Je ne sais pas, je ne sais plus, moi! En fait, que tu saches, que tu sois au courant, et que moi, mais c'est une gauche actrice! Ah non, 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 il faudrait l'exagérer! Pour rien, lui! Comment ça, mais pour rien? Il arrive ici, sans venir avec une. Attends, ça c'est ma faute! Parce que quand je l'ai appelé, je l'ai invité à demander s'il pouvait venir avec. Mais non, arrêtez-vous tout ça! Je m'en vais, moi, je m'en vais! Voilà, voilà, voilà! Écoute-moi ce que je vais t'expliquer. Mais non, écoute-moi.
Ah non, c'est pas possible, ça. Oh non, c'est pas vrai. Oh, moi, je reste pas ici. Hein. Dis donc, on n'a pas perdu de temps, celle-là. Alors, je
dormir avec moi, quoi. Enfin, l'essentiel, c'est que ça paraît vraisemblable. Hein. Qu'on ne soit pas dans la même chambre en étant soi-disant amant. Soi-disant amant ? Oui, on t'a dit ça. Oh non, Maria, mais c'est pas vrai ! Mais c'est pas vrai ! Mais si je comprends bien, tu es au courant de rien, là ! Oh, vas-y ! Je ne comprends pas quand même. Ah, quoi? Oh! Ah, t'es arrivé, c'est là!
l'entendrait. On la verrait. Voilà. On saurait que c'est la femme du ménage. Mais comment on entend rien avec tout le bordel? C'est qu'il n'y a pas la femme du ménage. Non, il n'y a pas. Non, la chemise. Non, la chemise. On a l'air de la chemise. Non, mais ce n'est pas la peine de faire tant d'histoires parce que la femme de ménage n'est pas encore arrivée. Mais tu as tout à fait raison. D'ailleurs, je suis sûr qu'elle va pas tarder à arriver. Ouais. Parfaitement, c'est une très bonne agence. Ah, bah ça, c'est vrai, hein. Ensemble. Et quoi donc? Mon Dieu. Ah, oui. Eh bien, je me sens dire que c'est vrai. Hein? Je pense que ça va, c'est une bonne agence. On trouve du bon personnel. C'est bien ce que tu voulais dire. Ah, oh, oui, 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 c'est ça. Oui, oui, c'est tout à fait ça. Parfait. Bien. Bon. Alors, vous vous êtes installé? Non, pas encore. Non, pas encore. Est arrivé que quelques minutes avant vous. Quelques minutes avant vous, hein. Et j'étais justement en train de lui dire. Et il disait. Bon, alors, elle continue. J'étais justement en train de lui dire que vous avez une seconde chambre. Voilà. Une seconde chambre. Allons. Mais comme moi. Et elle me disait que si ça. Elle disait que si ça. Si ça ne vous dérangeait pas. Si ça dérangeait pas. Elle préférait coucher dans la seconde chambre. Coucher dans la seconde chambre. Pas dans la mienne. Pas dans la sienne. Parce qu'en fait, la nuit. La nuit, oh. Oui, je sais. Et tu. C'est tout simple. Ah oui, c'est tout simple. Oui, oui, oui. Oui, parce que c'est ça qui lui a dit, prends des affaires toutes seules. Ah oui, oui, oui. Alors du coup, j'ai pris des affaires toutes seules. Bon, et bien, alors venez, mademoiselle. On va appeler moi Brigitte maintenant, hein. Bon, et bien, alors venez, Brigitte. Vous allez bien lui porter son sac. Bien sûr, je vais. Oh, mais non, là, ça, je suis costaud, moi. Costaud. Ah, vraiment. Oh, bah, forcément, mais moi, j'ai l'habitude des gros travaux. Gros travaux. Allez, là, gros travaux. Gros travaux. Gros travaux. De théâtre. Oui. Ah, parce qu'il t'a pas dit, elle est artiste. C'est ça, ah, oui, oui. Alors, elle est artiste dans son genre. Ah, oui, oui, je... dans mon genre. Voilà, c'est voilà. Ça. Tu vas t'arrêter. Et qu'est-ce que c'est, votre genre? Elle débute, c'est ça, tout à fait. Elle débute, oui, elle débute. Ah, je débute, oui. Voilà. Mais vous avez bien un emploi. Oui, oui, je suis femme de ménage. Voilà, femme de ménage, femme de ménage. C'est bien que. Elle débute dans les emplois de femme de ménage. Et au théâtre, naturellement. Hein? Ah, oui, c'est tout à fait ça, on est au théâtre. Oui, oui, oui. Et vous êtes cantonné dans cet endroit? Cantonné, moi, quasiment, hein? Non, cantonné, on ne peut pas vraiment dire cantonné, non. Ah. Non, non, elle a des emplois de femme de ménage, sans pour autant s'y cantonner. Voilà, je suis pas cantonné, voilà. Non, non, non. Et elle va tout faire, quoi, hein? C'est ça, voilà, la femme de ménage. Elle a des emplois de domestique. Oui, tous les emplois domestiques. Voilà, parfait. C'est ça. Voilà. Et alors, vous avez bien nous récité quelque chose? Récité? Merci. Non, c'est non, rien. Non, 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 elle a juste eu le temps de dire quelques phrases. Oui, dans genre, madame, c'est ça. Ah, oui, oui, mais où est le poisson, la moulinette et les légumes? Je viens d'écouter les poireaux. Ah, ça y est, j'ai encoustiqué l'escalier. Oh, mais le boucher m'a dit qu'il n'y avait plus de balettes. Tout ça, pour moi, c'est du commun. Et vous ne savez rien, non? Franchement, non, elle n'a pas eu tellement eu le temps d'étendre son répertoire. Il est très grand. Puis vous savez, je m'en sors très bien comme ça. Voilà. Bon, eh bien, venez, mademoiselle, je vais vous installer dans la seconde. Ah, oh, bah oui, je peux faire coucher dans la deuxième chambre, hein, parce que la nuit, vous savez. Hein, ouais. Ah, oui, puis alors, lui donner des coups de pied toute la nuit, ça m'empêche de dormir. Ouais. Chérie, ouais. Ouais. Le plus bel abruti que t'as déjà écorté. Quand je dis abruti, je pèse les mots. Alors je te préviens tout de suite que si tu m'insultes, je ne te rendrai même pas la peine de te répondre. Je prends le coup de ce que tu as fait là. Qu'est-ce que tu as fait? Mais ce qui était prévu, on a sonné. J'ai ouvert, j'ai vu une femme qui m'a dit: je suis Brigitte. Et bien pour moi, c'était la bonne. Justement, si c'était la bonne, pourquoi tu l'avais passée pour ta maîtresse? Mais parce que je ne savais pas c'était ta bonne! Si j'avais su que c'était ta bonne, j'aurais pas pris pour ta bonne! Et comme ta bonne, t'as bien ma bonne, j'ai pris ta bonne pour ma bonne, c'est vrai! Voilà! Oh, voilà! C'est lumineux! Et la tête qu'elle a? Mais bon! Oh, oh. Mais elle est pas mal quand même! Ouais. Elle a tes petites baskets, ses petites boucles de rêve. Ouais. Je te la laisse. Ah non, moi je peux faire l'autre! Quelle autre? Tu la connais pas celle-là. Pour ce que tu en faisais, elle était assez bien pour toi, voilà. Et ça t'a pas paru bizarre, qu'elle soit au courant de rien. Oh non, je me suis dit que tu n'avais pas eu le temps de lui donner des détails. Ouais, tu t'en as chargé. Attends, c'est toi qui m'as dit de faire connaissance. J'ai fait ce que j'ai pu. Oh, ça j'ai pu. Et je dois même reconnaître qu'elle a mis le papier. Ah oui, mais
Et ça t'a pas fait quitter non plus qu'elle te demande de l'argent? Ah non, non, non. Tu sais, tout le monde en demande de l'argent de nos jours. Et puis, c'est un peu normal de payer pour un diplôme de moi. Ouais, mais bien sûr. Total, total, ta femme pense que je couche avec la bonne. Que ça peut te faire. Mais ça te fait. Qu'est-ce que ça peut faire? Tiens, si on lui disait qu'on a fait une blague. Ah, parce que tu crois qu'elle va gober ça, mais tout aussi malgré. Mais non, t'es allé beaucoup trop loin là-dedans. On ne peut plus revenir en arrière. On en y est, on y est. Bienvenue. J'ai installé votre ami. Ah oui, ah bah, je préfère dormir dans la seconde, hein, parce que la nuit. Oui, je sais, vous l'avez déjà dit. À propos, toujours pas de femme de ménage. Et non, toujours pas. Et non, toujours pas. Et non, toujours pas. Donc, vous pouvez pas le savoir puisque vous étiez avec moi. Non, mais... Ah oui. Mais il dit toujours pas, alors. Oui, elle dit toujours pas. Voilà, elle dit ça comme ça en fait. Elle dit poursuivre. Hein? Voilà, poursuivre. Ah, c'est vrai, poursuivre. Voilà. Oui, je vois. Bon, et bien alors, il ne me reste plus qu'à aller commencer à préparer vous. Ah, mais tu sais, Jackie, elle va aller vous aider. Ah, bah oui, comme ça, je fais tout à fait mon affaire. Hein. Ah, ouais, voilà. T'es fou à toi. Voilà. Elle veut dire que ça lui ferait plaisir. Ah, oui, ça voilà. Fait plaisir. Voilà, arrête un peu. De vous aider. De vous aider. Et puis, comme tu n'as pas encore de femme de ménage. Oui, oui, puis tu n'as pas encore de femme de ménage. Voilà. Eh bien, je serai votre femme de ménage. Ben voilà. Eh bien, voilà. Eh bien, alors venez, mademoiselle, c'est par ici. Oui, d'accord, mais je vais le mettre en plus, hein. En deux minutes. Non, 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 tu vas t'arrêter. En tenue. Elle veut dire si vous pouvez lui prêter un tablier, quoi, voilà. Mais non, mais moi ici, j'en ai. Là-bas. Là-bas, oui, parce que Paris, c'est là-bas. Voilà, elle a un tablier à Paris. Mais comme Paris, c'est là-bas. Voilà. Enfin bon, là-bas, c'est là-bas, mais bon, ici. Là-bas, oh. Elle a un tablier de théâtre à Paris. Qui vaut dans les 100 euros! 100 euros? Ah oui, mais c'est un tablier de théâtre, hein, tout en cuir, bien. Tout à fait, c'est qu'est-ce que je disais, c'est un tablier de théâtre, et c'est pour ne pas risquer de perdre les 100 euros, qui est le prix d'un tablier de théâtre à Paris, qu'elle a pas fait jusqu'ici. C'est yes. Ça! Oui! Voilà, comme elle n'a pas de tablier, elle veut un tablier. Voilà! Je vais lui passer un tablier. Oui! Et puis alors, s'il est grand, et bien ça ira. Ah, oh, mais oui, mademoiselle, il est immense, ah, bon. Immense, venez! Voilà! C'est ça, vas-y. J'ai besoin de te remonter, moi. S'appelle aussi Brigitte. Oui, alors elle s'appelle aussi Brigitte.
Mais voilà. Je n'avais pas vu son nom tout à l'heure en arrivant. Hein? Mais... Ah bah c'est normal! T'as pas pu le voir! Parce qu'il était ici! Il est tombé! Voilà! Tout simplement! Alors comme il était là! Alors, vous voyez, plus je vous regarde et plus je vous...
Vraiment? Mais oui, puisque mon mari vous propose. Alors si vous insistez... Ah, j'insiste, alors qu'est-ce que ce sera? Bah une vodka. Vodka? Suffit de me dire. Mais pas trop, parce qu'après j'ai la tête qui tourne et je ne sais plus trop ce que je fais, ni ce que je dis. Je n'avais pas remarqué, mais c'est très joli ce que vous portez là. Tout ça? Oh, ce n'est pas grand chose. Pas grand chose? Pas grand chose? Alors, vous avez là, ça allait vous coûter au moins les yeux de ma tête. Oh, mais je ne sais pas du tout, monsieur, c'est un cadeau. Ah oui, alors évidemment, si c'est un cadeau, ça c'est. Ah, monsieur, c'est un cadeau. Et oui, parce que j'ai dit c'est un cadeau. Allez, les cadeaux, ça coûte pas cher de l'acheter soi-même, hein. Surtout quand c'est un manteau de 7000 euros, vous voulez. Oh, bah, n'est-ce pas? Et qu'il y a un fou pour le payer. Ah oui, non, monsieur. Oh, mais ça voudrait être complètement fou pour refuser un cadeau pareil, hein. Voyez-y, là, votre. Et toi, qu'est-ce que tu prends? Ah, ça oui, qu'est-ce que je prends, moi, bébé? Non, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux boire? Ah oh. La même chose que toi, mais cette fois-ci en remontant, hein. Ouais. Ah, ouais, parce que là, j'en ai besoin. Bon, eh bien, je vais voir ça va que l'idée va avancer. Ah, ben, bah, tenez, Jacqueline, elle va aller vous aider. Mais c'est mon patron, ça? Hein? Ah oui! Oh, au patron! Ah, au patron! Oui, oui, au patron! Elle peut dire au patron, au théâtre pour elle, c'est là. Voilà! Oui, et au théâtre, Homme, voilà. Oui. Ah, mais l'homme, c'est pas tant, c'est lui qui paye les frais. Voilà. Le patron, hein. Le théâtre. Ben oui, c'est le patron. Alors, ça, vous voyez, ça m'étonne pas. Ah non, 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 Jacqueline, ce sont ces rôles qui sont comme ça. Voilà. Oui, oui, ah, parce oui. que dans la réalité, c'est sûrement beaucoup moins amusant. Ça, beaucoup moins, vous pouvez me croire. Bah, c'est pourtant, c'est super sympa parce qu'on peut chier partout. On ramène même un peu de beurre chez soi, et même des fois, eh ben, on arrive à grappiller sur les commissions. Oh, ben alors, c'est bien, hein? C'est tout, tout à fait. Ah, mais ce sont ces rôles qui sont comme ça, je vous dis, Jacqueline, c'est ça. Oui, parce que si elle était vraiment femme de ménage, elle n'en parlerait pas comme ça. Ah, non. Ça, c'est beaucoup moins agréable, je peux vous le dire. D'ailleurs, moi, si je pouvais être autre chose, oui, mais... croyez-moi. À mon avis, vous êtes devenue femme de ménage à la suite d'un concours de circonstances. Oh, mais c'est comme qui dire un coup de bol, alors. Non, mais non, c'est pas tout à fait ça, d'ailleurs. Laissez-moi vous expliquer. Non, non, c'est inutile, maman. C'est ça. Vous nous raconterez votre vie un peu plus tard. Bon, c'est bon, ça, bon, avec bon, grand plaisir. Ah. Oui, bon, bah, alors, maintenant, moi, je vais m'occuper en cuisine, hein, d'accord. C'est ça, oh, vas-y. Oui, oui, non, mais si elle le dit, c'est qu'elle en a envie. Ah, oui. Ah, bah, bah, c'est surtout histoire d'imprégner du haut, là. Ah, c'est ça, vas-y. Vous, et moi, je n'ai pas très confiance. Je vais quand même aller surveiller le soufflé, hein. C'est ça. J'espère que tu es content de toi. Je t'en supplie. Laisse-moi t'expliquer pour commencer. Je te préviens tout de suite. Hein. Je n'ai pas l'intention de supporter très longtemps cette situation. Mais ça, c'est à cause de lui, là. Sinon, on ne serait pas dans cette... Oh, ça y est, c'est ma faute. Mais bien sûr, si vous ne m'aviez pas apprise pour l'autre. Oh, ben, je m'étais apprise pour l'autre. Mais j'ai confondu. Ouais, voilà. Mais vous n'auriez pas dû me confondre. Oh, vous n'auriez pas dû me confondre. Oh, mais vous m'énervez. J'ai confondu. J'ai confondu, voilà. Il a confondu. Il a confondu. Mais c'est confondeur. Mmh. Bon, remarque, il y a des excuses. Hein. Je vais pas la mais enfin, bon, excuse ou pas, maintenant c'est moi qui suis bien embêté. Oui. Ma femme croit qu'il est la femme de ménage. Oui, bon. Oui, non, c'est pas ça. Écoute, je me rends compte que j'aurais pas dû venir. Oh, mais non, écoute, ça n'est pas du tout. Tu avec moi, regarde. Mais si, oh, là, là, là. C'est déjà assez moche vis-à-vis de ta femme, alors. Si en plus, on ne peut pas se voir. On va se voir. Oui. Comment on va faire? Mais ça va s'arranger. Vous n'avez pas amené un costume? Oui, mais
à Brigitte voilà, que ça. On devait faire un dîner à Vienne. C'est ça tout à fait. Et dites donc, est-ce que je vais les hacher dans les fonds tout de suite? Oui, non, vous attendez qu'ils refroidissent. Ah, bah c'est bien ce que je me disais. Hein. Alors dites donc, oui Brigitte. Oui, Brigitte. Oui, j'ai plus de tenue pour la soirée. Ah, toujours? Toujours. Oui, j'en ai toujours une dans son sac quand je pars en déplacement, moi. Ah, c'est bien. Alors ça, c'est bien, vous voulez. Parce que vous voulez que. Non, 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 parce que ça, vous avez raison, mais là, c'est plus tard. Voilà. Bon, là, bon, ouais. Alors du coup, je mets le fond au frais, sans le hachis. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et puis, attendez, c'est très gentil. Oui. Mais si vous trouvez les couverts qui sont dans le buffet en bas dans le tiroir gauche. Ok. Là, c'est bon, je Bon, alors, il est parfait, puisqu'on a tout ce qu'il faut. Vas-y. Oh bon non, je ne vais pas le laisser tout seul le pauvre. Oui, attendez, attendez, j'ai une meilleure idée. On va y aller tous les deux. Ah ouais, ça va là. On ira chacun notre tour. Non, mais je vais vous faire aucun élu restera seul. Bon ben, oh là là, c'est tout idiot. Ah oui, attendez. S'y va. Alors là, je vais déguster. Je ne comprends pas. Alors moi, à ta place, je serai mort tout le monde. Non, Chichou, je t'en supplie, Jacqueline, calme-toi. Me calmer? Ah bon, au contraire. Non, mais le thé n'y a pas. C'est mon petit souvenir pour le thé. Il paraît qu'il y a de l'estomac de l'orange, tu vois. Regarde-moi, avec ce que je supporte, le mien doit être violé. Non, mais écoute-moi. Et voilà. Voilà quoi? Ah bah non, je disais un comme ça, voilà, voilà les couverts, hein. Eh bien, posez-les. Les disposer. Non, vous les posez. Sans les disposer. Oh, c'est ça, je le ferai. Alors, je les pose tout simplement là. Oh. Oui. En vrac? Ou je sais. Oui, c'est je gros. Et ben voilà! J'ai la paix! Oh la bourdasse! C'est pas génial, c'est sûr. Je suis seul. Je n'ai pas peur. Merde. Oh, je ne bouge pas. J'aurais jamais pensé à ça. Ah ouais, je sais.
faut penser à tout. Faut être très bon. Mais dis donc. Oui. Pour accepter de passer pour ta maîtresse, oui. Il faut vraiment qu'elle ait un peu l'esprit tordu, ta nièce. Attention, tordu pour n'importe qui, mais parfois. Ah oui, elle est actrice. Alors elle se met facilement dans la peau des personnages qu'on lui demande. Je pensais qu'elle était spécialisée dans le rôle de bonne. À tout faire. De bonne à tout faire. La preuve, elle joue les maîtresses si c'est nécessaire. Et aujourd'hui, elle fait un extra. C'est un paravent. Bon, tu as compris là? Mais, par là. Ah, c'est parce qu'elle t'y doutait. Oh. Tu n'avais pas confiance en toi. Oh, pardon. Oh, viens là, ma beauté. Eh, dis donc! Ah, bah! Oh, celle-là. Eh, j'en ai trouvé les porte-couteaux. Eh, bah, tu sais, j'ai eu du mal, hein, n'empêche. Parce qu'il s'était caché dans une boîte à chaussures sous l'évier. Alors, heureusement que je tiens mon intérieur un peu mieux que ça. Ah, ça va! Je m'appelle vous fatiguer, je suis au courant. Ouais. Au courant, au courant de quoi? Bien oui, pas du tout. D'où? Ouais. Oh, alors ça y est, vous savez que je suis là. Tonton. Oui, je sais que c'est pas tonton. 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 Bah, non, tonton. Non, mais tonton, tonton et tonton, ouais, je connais la chanson. Oh, c'est très bien, c'est très bien. Si tu la connais, tu la chantes, vas-y, tonton, tonton et tonton. Allez, vas-y. Non. Allez. Non, je vais la chanter, mais pour tonton. Oui, pour tonton, oui, c'est bon. Oui, pour lui. Oui. Non, 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 non. Non. Je chanterai uniquement si j'ai une image. Oui, mais ça va vous arriver les images. Ouais. Oui, oui. Ah, et maintenant que je sais que je vais avoir une image, on va chanter. Tonton, ça va. On n'a pas fini de manger la table. Si personne n'est. Ah ben tenez, je vais vous aider, mon Jacqueline. Mais non, votre nièce va le faire. Ah, mais oui, mais moi des tables, j'en défais. Tout ça, c'est pour une, c'est une habitude pour moi, je vais que ça. Ah bon? Mais oui. Bon, bah, alors, oui. Je vous laisse avec. Ma nièce, hein? Hein? Bon, et moi je vais. Allez, vous mettre à l'aise. C'est ça? D'accord. Allez, hop. Mais t'inquiète pas, maintenant que je sais que les images elles arrivent, tu peux y aller tranquille, tonton! Tu peux être tranquille, tonton! Ça m'agace, là! Mais dites-donc, mais j'espère que vous ne croyez pas juste si ça m'étresse, hein? Mais non, ne vous inquiétez pas, je sais très bien que vous êtes ça. Ah! Et je sais aussi que vous avez la course à maîtresse uniquement pour jouer les paravents. Les paravents? Oui. C'est d'ailleurs très gentil d'avoir accepté ce rôle. Que votre paravent? Oh oui. Oh ben vous savez quoi? Eh ben c'est la première fois que je joue un rôle de paravent. Et vous savez, vous le jouez très très bien. C'est vrai? Oui, voilà, je suis vraiment contente que ça vous plaise. Et bien il faut qu'il n'y a que moi qui sait que vous êtes sa maîtresse. Personne ne se trouvera que Robert est paravent. Non, c'est pas puisque vous êtes sa maîtresse en paravent. C'est évident, c'est évident, c'est ça. Donc, paravent vous êtes, et je reste paravent. Oui, voilà. Dans les serviettes, madame, vous oublierez ta mère où elles étaient. Non, mais les anciennes, c'est quand vous les aiguillez. Comment ça se passe à la cuisine? Ça suit son cours. Bon, eh bien, alors, parfait. Vous regardez ce qu'il y a. Ça suit son cours, là. Les verres, vous savez où ils sont? Non, mais en cherchant bien, on devrait les trouver. Bon, je vais vous laisser terminer de manger ça avec elle. A tout de suite, je vais aller passer une robe. Bien, madame. Dites donc, vous, oui, je vais pas continuer à prendre votre place. Non, mais vous gonflez, quoi. C'est vous qui prenez la mienne. Comment? Tu viens voir le ménage. Eh, oui, l'un d'eux, hein. Mais en fait, à vous qui l'êtes vraiment. Ah, bah, vraiment, vraiment, ça, c'est ce que je dis, hein. Mais c'est la vérité. La vérité. Je l'ai dit, c'est qui la connaissent. Mais si personne ne l'a dit, madame la vérité. Ah, mais elle a vu, voilà. Ce soir avec Brigitte
Mais c'est ça. Brigitte qui nous vient de... Chez moi. Oui, c'est ça, de chez elle. Et Brigitte va donc jouer pour 100 euros. Dites, oui. Après je vais gagner plus, hein. Non, 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 ça arrivera là. Non, parce que vous savez, à la télé, il y a un problème. Là, si, c'est la vraie vie et c'est moi qui fixe les limites. Ah, oui. Il ne faut peut-être pas les dépasser. Oui, mais... Alors, voilà la question. Oui. Voilà la question. Oui. Non, vous répondrez par oui ou par non, après la question, mais pas par non. Oui, 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 d'accord. Voilà la question. Si je vous dis comme ça... Concentrez-vous, concentrez-vous. Non, non, concentrez-vous. Êtes-vous d'accord pour aller coucher dans la chambre située à côté de la cuisine? Bien sûr, ça me ferait plaisir. Si c'est pour faire plaisir à mon amie Brigitte qui est formidable, et donc c'est anniversaire aujourd'hui, on se fait. Petit C. Oh bah oui, si on puisse aller directement sur la cuisine, ça ne changera pas trop. Je réponds maintenant. Et après, non, je n'entends rien. Et pour 100 euros, oh, c'est vraiment donné. Là, je réponds. Mais je suis... Oui, mais là, chez vous, j'en suis, moi. Bon, enfin bref, est-ce que pour 100 euros, vous êtes prête à aller pioncer dans la chambre qui est là-bas? Oui ou non? Ah bah pour 100 euros, tout le monde y va, hein, quand même, hein. C'est votre dernier mot. Oui, Jean-Pierre. Oh, pardon. Bernard. Bon, gars, là. Après le page de vous. Ah. Et ben voilà, elle a gagné. Ah, voilà. Alors voilà, vous échangerez vos chambres après la nuit, hein, après l'appel, le dîner, et surtout que la patronne dans sa chambre. Hein. Ah bon, pourquoi? Comment, pourquoi? Parce qu'il n'est pas normal que vous qui soyez la femme de ménage, allez coucher là. Enfin, bah, c'est pas compliqué pour vous, finalement. Oui. Bon, enfin, bah, tout est prêt, là. Ah non, 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 il manque les verres. Et ben alors, et les assiettes? Eh ben oui, eh ben c'est moi qui viens, c'est elle. Mais c'est quoi? Ah, ça y est, c'est nouveau la femme de ménage, c'est elle. Non, vous, vous êtes l'invité qui est le ménage. Puisque la femme de ménage, c'est moi. Voilà. Oui, eh ben, c'est parce que j'ai essayé de vous expliquer tout à l'heure, hein. Ça finit par y venir. Voilà, on va afficher. Voilà, où est-ce que je vais me recevoir dans ce caravanserail? Alors, dis-moi, tout est arrangé. Oui. La chambre qui est là-bas. Oui, mais est-ce que tu t'es débrouillé pour que je finisse la soirée avec vous? Bien sûr que non. Mais je vais faire. J'ai l'impression que je te plais plus. Oh, mais comment peux-tu dire ça? Enfin, simplement, mais prends ma place. C'est pas pratique. Et puis, c'est contre-temps, là. Bernard! Aïe, 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 aïe. Ah, c'est bien. Comment est-ce qu'il y a? Elle me marche sur le pied, là. Mais enfin, vous pouvez pas faire attention. Et puis, n'aurais-tu pas planté, là, comme ça? C'est qu'on n'est pas à Brigitte à s'occuper des verres, non? Oui, j'y vais, j'y vais. Ça va? Voilà, je suis prêt! Ah! Oh, vous êtes! Attention. Oh, vous êtes! Oh, vous êtes! Oh, oui, ça, vraiment, tu es... Wow! Formé, 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 ça va. Mm-hmm.
Ah oui, beaucoup. Tu es très très belle. Ah oui. Oh, et puis tu as un charme fou, un de ces éclats, enfin, tu es très excitante. Vraiment? Ah oui, oui. Et puis cette robe épouse ton corps. Comme tu voudrais le faire. C'est ça, oui. Elle te déshabille. Oh, comme tu voudrais le faire. Ah, c'est ça, oui. C'est bien vrai, c'est ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette idée? Ça veut dire que tu es le plus beau menteur que je connaisse. Bon, voilà des idées. Et ça? Oui. J'appelle ça des idées. Qu'est-ce que c'est, ça fait quoi? On regarde, mais on ne touche pas. Bah, je vois pas bien ce que c'est. Mais... Quoi? Ça, c'est un talon de chèque. Oh bon? Je viens de l'arracher du carnet à Bernard qui avait glissé sous le fauteuil. Oh, mais il est probablement tombé dans la couche. Oui, probablement. Et ça, c'est que tu as fait. Oui, heureusement. Et de toute façon, pardon, il n'était pas perdu dans le chambre. Hein. Heureusement d'ailleurs, parce qu'il vient de lui faire une découverte extraordinaire. Une découverte? Oui. Figure-toi que ce talon de chèque 005. Daté d'il y a 8 jours, porte la somme de 7000 euros à l'ordre de la maison Goldenboom et Goldenboom. Ce qui correspond d'une part au prix annoncé pour le manteau de jeunesse et d'autre part à la griffe cousue dans ce même manteau. À la griffe cousue? Oui, crois-tu? Et au même prix? Oui, crois-tu? Quelle coïncidence! Oh, oui, crois-tu? Ça, c'est inouï, tu vois? C'est même fabuleux. Ah oui, c'est fabuleux, c'est le mot. Tu vois, dans le calcul des probabilités, il ne devrait y avoir une seule chance sur 10 millions pour une pareille rencontre, tu vois? Alors... Je ne te fais pas dire, et comme ça ne peut pas être le hasard, c'est forcément la réalité. Ah oui, bien sûr. Oui. Voilà! Ah, oh, il est chambré, épatant, mon gars. Et bien alors, parfait. Oui, c'est très très bien, oui. En fait, il peut être le... Ouh. Quoi du tout? Elle a sa tête. Et moi, la tête. Voilà. Vous êtes à la tienne, oui. Eh oui, t'as la tienne, oui. Mais il ne faut surtout pas la perdre, sa tête, hein. Non, non, c'est tout pas. Eh, ah, à propos, tu l'as dit pour la femme de ménage, non? La femme de ménage? Oui, parce que... Bah, elle est en train de dire que... Que pendant le repas ce soir, elle va peut-être tout le temps manger, boire, puis rire aussi. Et alors? Eh ben, ça va être un peu triste pour elle, oui. De rester toute seule, sur un retard, dans la cuisine. Mais surtout pour une fille. Elle va l'arrêter le métier qu'elle fait. Oh non. C'est vous qui avez eu cette idée-là? Non, 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 c'est lui. Oh. Eh bien, on peut dire tous les deux que pour la délicatesse... Oh, non, tu sais, non. Si, 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 vous êtes des champions de la délicatesse. Non, non, mais ça change rien. Simplement, on dit ça comme ça. Oui, c'est l'histoire de... Créer une ambiance. Oui, voilà. Oui, parce que alors nous, c'est pour cette profil, nous, on s'en fout complètement, totalement. Dans le fond, si ça peut faire plaisir. Voilà, voilà. J'ai pensé qu'il fallait apporter ça. Oui, mais c'est ça. Attendez, c'est très bien. À propos. Est-ce que ça vous amuserait de venir avec nous? Oh madame, je ne sais pas si ma condition... Oh mais si, mais si! Vous êtes accepté? Je ne voudrais surtout pas, mais alors surtout pas vous déranger. Nous déranger? De rajouter un coup? Oh, il est là, regardez! Oh, regarde! Voilà! De rajouter un coup? Allez, voilà, ça fait ça! Super, écoutez, je peux vous le dire, ça m'embêtait de rester seule à la cuisine, surtout aujourd'hui, parce que... Ah bon, aujourd'hui? C'est mon anniversaire. Oh, c'est son anniversaire. On dirait que vous l'avez senti. N'est-ce pas? Par contre, il faudrait peut-être que je me change. On n'a pas fait une séance, vous avez été plus... Oui, plus tard. Une robe qui vous sert pour les dîners ou... Bah, voilà. Une robe de soirée. Voilà. Oh, merci, je suis ravie. Alors, à tout de suite. À tout de suite. Je n'ai jamais vu une femme de ménage parler. Moi non plus. Bon, voilà. Eh bien, parce que je me suis dit que...
ça lui ferait plaisir de prendre un peu l'air, quoi. Voilà, voilà, oui. Et pour ne pas qu'elle attrape froid, tu as demandé à Robert de lui offrir un manteau. Mais pas du tout, là, là. Faut pas se fier aux apparences. Arrête, tu es encore plus menteur que lui. Ah non. Et je ne parle pas de ta nièce. Parce que dans celle-là, dans son genre, ah oui, c'est une grande artiste. Ah oui, tu as remarqué toi aussi. Ah oui. J'ai l'impression qu'elle ferait une belle carrière, hein. Dans la galanterie, ça, sur. Oui, dans son genre, oui. Non, 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 mais alors, Jacques, tu t'imagines des choses, voyons, mais tu t'imagines, c'est pas vrai. Voilà, ça y est. Eh bien, oh, finissons ça. Quelle classe. Et passons à table. Ouais, déjà, tu ne m'apprends pas les autres, toi, là. Oh, tu... on attend bien les autres, mais bon, je pourrais en venir tout de suite, hein. Tu vas les mettre. Oh mais non, mais laissez-moi, j'ai une telle habitude de tout ça.
passer demain à me contenir pendant tout le dîner pour ne pas exploser. Pour ne pas exploser. Ah, oui. Mais pourquoi? Pourquoi? Vous me demandez pourquoi? Avez-vous déjà vu une idiote? Une idiote? Non. Eh bien, je vais vous aider. Si cette idiote se trouvait nez à nez avec la maîtresse de son mari, hein? Non, mais faut que je vous dise. Ben c'est ça, oui. Dites-moi un peu l'attitude que je devrais avoir. C'est-à-dire que c'est très gênant. Mais quoi donc? Et puis je ne m'attendais pas à ce que vous me parliez avec une telle franchise. Oh, inutile de tourner autour du pot, n'est-ce pas? Non. Non, bien sûr. Alors? Comment est-ce que je devrais réagir? Mettez-vous à ma place. Mais non, au contraire, c'est moi qui vous demande de vous mettre à la mienne. Dites-moi, que feriez-vous vis-à-vis de la nièce de Robert? La nièce de Robert? Ah mais oui, c'est vrai que vous êtes au courant. Eh bien, Brigitte, c'est sa nièce. De Robert? Oui. Mais enfin, elle ne peut pas être sa nièce puisqu'elle est la femme de... Comment vous avez cru qu'elle était sa maîtresse? Eh bien non, en réalité, c'est sa nièce. Et en plus, c'est la maîtresse de mon mari. Ah, c'est pas possible. Comment ça, pas possible? Il couche avec Bernard. Absolument. Et j'en ai la preuve. Oh, le salaud! Eh bien voilà, c'est exactement la réponse que j'attendais de vous. Oh oui, alors on veut faire ça à moi? Pardon? Non, à vous. Mais comme je me suis mis à votre place. Quel salaud! Bon, ben écoutez, c'est très gentil de participer à ce point-là, mais calmez-vous quand même. Oui, bah, si je m'énerve, c'est pour vous, parce qu'il nous... Enfin, il vous trompe. Il faudrait tout de même mal oublier. Oh, mais je ne pense qu'à ça. Que feriez-vous à ma place? Eh bien, faites à votre mari ce qu'il vous a fait. Au moins, si ça ne répare pas les dégâts, ça compensera. Bien. Et puis, en vous vengeant, vous vengerez toutes les idiotes de la terre. Eh bien, c'est-à-dire que tout à fait entre nous, c'est fait. Disons que je me suis déjà vengée. Par anticipation. Ah oui. Mais ce n'est pas parce que je le trompe que ça me donne le droit de tromper. C'est... Il va pas savoir qui c'est d'abord. Ah, non mais voilà. Tout va bien, tout va bien. Elle est tout baigne là, tu vois. Allez, ah, je suis à vous baignez, ça baigne. Et moi aussi ça va. Tu la trouves pas bizarre? Ah mais non, mais non. Oh, tu sais quoi, tu bois? Maintenant, hein, tu me perds ton temps. Enfin, c'est connu avec la femme de ménage, on couche pas dans cette chambre. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Bah, je t'en prie, hein. Ta femme est au courant. Au courant de quoi? Bah, elle sait tout. Tout? Elle sait que... Elle t'a dit que quoi? Vas-y, dis-moi. Elle m'a dit... Tu lâches ma conscience. Écoute-moi. Ouais. Elle t'a dit... Tout à l'heure, les yeux dans les yeux. Les yeux dans les yeux. Dans les yeux. Dans les yeux, je suis en retard. Elle m'a dit, très bien. Qu'est-ce que vous feriez? Vous appreniez? Que votre mari a une maîtresse. Marie a une maîtresse. Oh, t'as dit ça? Il n'y a pas 5 minutes. Mais c'est épouvantable. Ouais, ça surtout pour toi. Mais fallait nier. Nier quoi? Mais tout, tout en vrac. Impossible, elle a la preuve. Indiscutable, paraît-il. Quelle preuve? Je suis bien d'habitude. Et comment t'as réagi quand tu as avoué que... Avoué quoi? Mais que toi, moi, enfin bon, on va dire ça. Ah non, non, tu n'y es pas du tout. Moi, je n'y suis pour rien. Comment ça, pour rien? Oh, j'étais pas tout seul, hein? Eh bien, je ne pouvais pas avoir à ta femme quelque chose que j'ignorais avant qu'elle me l'apprenne. Qui t'apprête quoi? Que pour un salaud. T'es vraiment un beau salaud. Non, tu te fous pas, là, je comprends rien du tout. Décidément, t'as tous les culots. Figure-toi que moi aussi, je sais que tu couches avec sa nièce. Sa nièce, elle nièce, la seule unique, celle de ton copain. C'est aussi menteur, Claude. Mais alors, attends, là, tout de suite. D'abord, je savais même pas qu'il y avait une nièce, et deuxièmement, je la connais pas. Check. Ah bon? Tu la connais pas, cette Brigitte qui est à la cuisine? Qui, la femme de ménage? Ah non, elle est pas plus femme de ménage que moi. Elle est la nièce de Robert et ta maîtresse. Enfin, voyons, je peux pas être l'amant de la femme de ménage. Ah. C'est Brigitte qui est là, tu dis? C'est la même. Mais bon. Mais alors, si je comprends bien,
Ma femme ne sait pas que toi et moi, nous avons... Ça, alors ça, nous deux, ça ne peut même pas l'effleurer. Hein. Ça, c'est un coup de peau, alors. Bah, prends garde que j'y donne pas un grand coup de pied dans le nez. Et si tu persistes à nier que cette femme n'est pas ta maîtresse, ta femme sera dans 5 minutes ce que moi, je suis pour toi. Bon, d'accord, je suis la mère de la femme de ménage. Mais rassure-toi, tout ça, ce n'est qu'une passade. Ah, bah, ça, c'est facile, hein. On couche avec n'importe qui, hein, on dit, excuse-moi, pardon, j'ai pas fait exprès. Écoute, enfin, voyons, réfléchis un peu. Mais réfléchis. Réfléchis. Si c'était vrai, est-ce que je t'aurais demandé de venir, là? Oui, non. Ouais. Enfin, vrai ou faux, ta femme est persuadée que c'est vrai. Et moi, j'ai eu un lot de consolation. Et quoi? Ta femme a un amant. Tu fous moi? Moi, mais alors, pas du tout. Et comment c'est-tu? Bah, celle qui me l'a dit, sinon comment connaîtrais-je l'existence de cette heureux bénéficiaire? Quoi? Je comprends vraiment pas pourquoi tu te mets dans cet état. Ah oui, je devrais y aller de joie. Mais qu'est-ce que ça peut bien me faire parce que tu couches avec moi? Mais ça n'est pas moi. C'est pas pareil. Oh, alors ça, rien n'est jamais pareil quand c'est toi que ça concerne. Mais parfaitement, j'ai ma dignité, moi. Tu t'es bien foutu de celle des autres. Mon pauvre nom, tu méritais pas ça. Oh ben non, hein. Aux hommes, tout est permis, aux femmes, rien du tout. J'apprends que ma femme a un amant. Tu peux être un peu plus gentil avec moi. Ah, te voilà, toi. Oui, tu vois, j'étais comme toi. Je suis à l'aise. Oui, je vois, très très à l'aise. Mais c'est magnifique ce que vous portez là. Vous trouvez? J'adore. J'aime beaucoup. C'est un cadeau de mon mari. Ah, c'est vous qui lui... Oui, c'est moi qui. Oh, une pure merveille. Qui? Eh ben, votre lave-vaisselle. Quoi? T'as du mal à digérer? Ah non, non. Dîner, ça va. Bah, moi, je vais commencer à faire mon lit. Oui, c'est ça. Je vais aller vous chercher des oreillers. Très bien. Merci. Un amant. Un amant. Hey. Non, faut que je te parle. Ouais, allez, ramène-toi. Dis donc, oui. Il faut pas une fixation dans les rayures, quoi. Dans les rayures. Non. Non, pourquoi? Oh, bref. Je vais faire quoi, quelque chose? Ah oui, si tu veux, ouais. Ça? Ça? Allez. Alors, mon vieux, dans l'ensemble, tout va comme tu veux? Ah bah, dans l'ensemble, oui. Par quelques détails. Ah bon? Il y a des détails qui... Oui, qui vont moins bien. Qui vont même beaucoup moins bien. Oh, bah alors si je peux t'aider à quoi que ce soit. Ah, mais je sais que toi, tu fais face sur tous les fronts. Non, j'essaie simplement d'apporter ma petite contribution dans la mesure de mes moyens bien modestes. Voilà, tu sais bien. Eh bien, je vais te donner tout de suite l'occasion de t'en servir. Et allons-y si je peux, vas-y. Bon, bah, tu pourras. Allez, ça me ferait plaisir de t'aider, vas-y. Ah. Alors voilà, oui, imagine. Mmh. Si tu étais marié, je suis pas marié. Non, imagine. Ah, d'accord, j'imagine. Si tu étais marié, oui. Comment est-ce que tu réagirais si tu apprenais que ta femme a un amant? Ta femme a un amant, pardon, c'est moi. Qu'est-ce que c'est que cette idée, là? T'as une idée? Je te préviens que ça va pas être assez comme ça. Non, non, mais ça, je sais bien. Je sais bien que ça va, c'est comme ça. Alors, oui. Non, mais c'est-à-dire que. Non, non, bien sûr, bien sûr. Ah, bien, tout le monde, bien sûr. C'était sciatique ou quoi? C'est pas un tic, non, non, non. Alors, non, non, bien sûr. Alors, non, 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 je veux dire. Je suis consterné, quoi. Attends-moi. Oui, oui. C'est-à-dire qu'en fait, ouais. Je suis consterné, quoi. Pourquoi ça sert de répéter? Ah, à quoi ça sert? Bien, ça sert. Ce qui est fait, fait. Oui, ce qui est fait. Bon, alors. Oui, bon, écoute, je te remercie, dans un premier temps, de ne pas hausser le ton. Le ton? Oui. D'arriver à te contrôler. Je comprends que tu sois dans un état épouvantable. Mais à quoi, non? Maîtrise-toi. Tu sais, j'ai du mal. Voilà. J'ai beaucoup de mal. Mais je sais bien, mais il faut surtout pas plus t'énerver, tu vois. Hein? Parce que je viens d'apprendre, tu vois. Oui, je sais. Tu sens que ça monte, tu vois, comme une vague, ça vient à l'intérieur. Oui, oui, je sais. Mais si tu pensais à autre chose, là. Autre chose, oui. Après ce que je viens d'apprendre, oui. Comme non, 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 je dis ça, c'est pour que tu comprimes cette vague. Voilà. Oui, oui, mais au contraire, moi, je vais la laisser exploser. Non, non, non.
Non, 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 ça vient pas, ça vient pas. Point dans la gueule. Non, 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 non. Laisse pas les gens qui sont aussi malignes. Non, non, tu sais que les dents, ça se voit quand on les voit plus, hein. Mais t'as raison. Oui. Oui. En fait, je vais les laisser tomber sans les faire tomber moi-même. Ah, oui, ça, c'est plus raisonnable. Ouais. C'est très bien, ça. Ah. Mais dis donc, j'y pense. Oui. Je viens de lire un bouquin de recettes japonaises. Ah, c'est pour rouler par terre. Ah oui, les japonais, c'est toujours la cuisine à vapeur. Des recettes à l'usage des maris. On va assaisonner les saligots, tu vois ce que je veux dire. Non, je vois pas du tout. Par exemple, t'as sous la kéké. Pardon? T'as sous la kéké. Sous la quoi? Sous la kéké. C'est la longue, c'est longues aiguilles. Les geishas se plantent dans le chignon. Ah bon? Quand elles veulent se venger d'une infidélité, elles les plantent ailleurs. Ah bon? Où ça? Mais ah, t'es pas bien trop quoi? Ah si si si, puis après elles sont définitivement inutilisables. Quoi? Les aiguilles? Les aiguilles. On va pas les geishas pour tuer aussi. Non mais non les, hein? Bon. Ah! Et alors après, la traduction littérale sous la kéké c'est... Tu ne seras plus jamais un homme, mon fils. Non 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 non, mais non 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 non. Alors après sous la kéké, tout est fini. Non non non, Bernard, pardon, pardon. Si si si. Hey, t'as qu'à coucher, oui, mais ça, je m'en doute. Non, je dis t'as qu'à coucher. Ouais. Non, merci, j'ai pas besoin. De quoi? De me moucher. Non, je dis t'as qu'à coucher. Ah c'est bon? Le nom d'une autre recette japonaise. Ah bon? Eh oui, le japonais qui bloque se décrit. Sous la coco, sous la kiki, sous la kiki. T'as qu'à coucher, t'as qu'à coucher, t'as qu'à coucher. Bon, je te prends un cours de grammaire plus tard. Ah oui? Très bon. Le mari trompé, oui. C'est un peu comme si elle avait reçu un coup de poignard en dos, non? Bah, c'est-à-dire quand t'as pas tout le temps. Non, je dis pas le nom. Bon, bien sûr. T'as qu'à coucher, c'est coup de poignard, pour coup de poignard. Oh non, pardon, Bernard, pardon. Écoute, pourquoi pardon? Mais je te demande pardon. Mais écoute, je te dis. Mais oui, mais j'écoute. Alors sois attentif. Mais je te demande pardon. Tu écoutes? Oui, j'écoute. Bon. Alors le mari est trompé. Oui, le mari est trompé. Attends que le salopard. Salopard. Se penche en avant. Penche en avant. Pour cueillir une fleur de lotus. Lotus. Et là, t'es réel. Pardon, Bernard. Non, Bernard, pardon, excuse-moi, mais pardon. Pardon. Mais oui, mais je te demande. Mais écoute, t'as quelqu'un compris ce que je vais te dire? Ah oui, mais attends, pour ça, il faut quand même qu'il y ait des fleurs de lotus. Ça marche aussi bien que tu ne pouvais pas craindre, ça va bien. Mais dans la vie, il y a des moments où tu te penches pour remonter tes chaussettes. Ah oui, je les remonte. Ah, voilà. Moi, à ce moment-là, je serai derrière. Ah oui? Pour remonter mes chaussettes? Non, non, je serai derrière pour le... Ça y est. Ah non, 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 non. Non, mais pardon, Bernard, j'ai bien compris, mais pardon, pardon. Donc pardon là. Oui, mais tu commences à merder ce soir. Alors qu'est-ce que tu penses de ta capuchée? Bon, bah ça va faire très mal. Ouais, je crois. Et la traduction littérale, c'est l'arme blanche sous la lune. Ah oui, oh, c'est très bien imagé là. Non, non, c'est pas imagé du tout. Oh, oui. L'arme, parce que ça te fait couler des larmes. Et blanches, parce qu'elles sont éclairées. Ah oui? Ah oui? Alors là, ta capuchée, oui. Oh oui, bah après, il reste plus qu'à se coucher, c'est sûr, oui. Oh, inutile, tu l'es déjà. Ah oh, oui, oh. Il n'y a pas à dire l'Extrême-Orient. Et le raffinement. Ah oui, ça, ça. Oh, pardon. Alors, qu'est-ce que tu préfères entre les deux? Non, mais répondre comme ça tout de suite, je ne sais pas. Non, non, mais pour autant, pour autant. Pardon, tu vois, je suis en train de me calmer. Ah oui. Ça retombe plus doucement. Ça, c'est parce que tu penses aux recettes du pays du matin calme. Oui, probablement. Probablement. Oui, mais tu sais. Pardon. La vengeance est un plat qui se mange froid. Elle m'appelle des baguettes. Non, mais écoute. Tu l'as dit toi-même, tout ça, ça ne changera rien, tu le sais. Ça ne changera peut-être rien, mais je tiens à ce que tu fasses ce choix pour moi. Et c'est qui te fait prendre, tiens? Mais je ne me fais pas prendre, enfin voyons, je suis pas bête. Après, sous la kiki ou t'as qu'à coucher, moi je suis Landa ou Kawasaki, et j'irai le perdre dans les boules de la vérité. Mais qu'est-ce qu'il disait, l'abbé? Non, c'est l'abbé disait, donc l'abbé disait. Oui. Eh ben, il disait quoi? Non, c'est l'abbé disait. Oui. Bon, écoute, Bernard, je suis un petit peu perdu, là, parce que je suis resté sur l'abbé qui fait du kawa. Alors, après, je sais pas si c'est le bruit du moteur, mais j'ai pas entendu la suite. Non, non, non. Laisse tomber, c'est l'abbé qui disait... Ouais, ben... Ah, et bien, il disait quoi, l'abbé qui disait? Mais tu peux pas dire quoi? Regarde, je me gênais, quoi? Mais non, là, regarde, tu peux dire où, mais quoi, tu peux pas... Mais où, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin, je sais, il est sur la kawa, ben... Mais y a pas de kawa, faut réfléchir, l'abbé, c'est pas kawa. C'est l'abbé disait un point, c'est tout. Ah, il disait un point, c'est tout. Oh non, 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 non. Écoute, je suis perdu là. Écoute, Bernard. J'ai le sujet, c'est l'abbé. J'ai le verbe, c'est disait. J'aimerais bien avoir le complément de
D'abord, la baie, c'est le nom. Mais non. La baie, c'est le nom. Disait, c'est le lieu. Oui. Laisse tomber les compléments. Ah bah non, non. Non, non, si je laisse tomber les compléments, je pourrais jamais savoir ce que disait la baie. Bon, allez, t'as pas passé 3 heures. La baie disait, j'appelle I-S-E. Et voilà. Zéro. Zéro pointé. Disait, D-I-S-A-I-T. Là. Oh, le ah, je suis bon, hein. Oh, le poulet. Bon. J'ai pas terre de géographie, c'est dommage, mais la B disait B, B-A-I-E, D apostrophe, I-S-E, B japonaise, avec la mer, les poissons. Oh, la B japonaise. Oh, mais ça, on le dit. Et ben, voilà, B japonaise. Bon. Alors, qu'est-ce que tu choisis entre les deux? Alors, écoute, comme ça, tout de suite, je sais pas trop, moi. Et comme tu n'es pas à 2-3 jours près, je préfère y réfléchir. Mais pour l'instant, je préfère partir. Mais pourquoi? Je préfère plus la revoir. Mais qui ça? Eh bien, ta femme. Attends, allez, bon, je t'ai gardé de lui dire que je suis grand. Non, mais toi, je m'exerce déjà à être un tombeau. Non, non, mais continue. Non, mais je t'ai pas surprise, hein. Ah oui, non, mais... Parce que je sais pas qui c'est. Mais bon, non. Et d'ailleurs, quand il va tomber sur la main, celui-là... Et tu n'as aucune piste? Ah, ça aucune. Alors là, je respire. Non, non, je dis que j'aspire à ce que tu évites le pire. Voilà. Non, 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 attends, je peux plus. Mais on ne sait pas qui c'est. T'es même pas sûr qu'il existe. Comment ça, je suis pas sûr qu'il existe? C'est Jacqueline qui vient de dire à Brigitte qui vient de me le répéter. Sans alors, qu'est-ce qu'elle a raconté? Ben attends, c'est tout ce que tu pourrais dire? Hein? J'apprends ma femme à la mort, c'est tout ce que tu pourrais dire? C'est pas besoin, non, mais c'est-à-dire que, en fait, je suis consterné. Ouais. Attends, moi. Et que je commence à comprendre. Ouais. Alors là, t'as qu'à te coucher. Mais non, mais j'ai pas besoin. T'as rien compris, toi aussi. T'as qu'à te coucher sous la tété, la totale pour salopard. Ah, je te retrouve. Allez, deux. Oui, je te alors là, pas de pitié, là, c'est. Allez, hop, au Japon. Voilà. Oh, voilà. Dans cette histoire, t'as dit sur le système de Jacqueline. Ah bon? Ah oui? Elle est persuadée que la femme de ménage, c'est Agnès. Ma nièce, si tu es plaisante. Où est-ce que j'en ai l'air? Non, pas tellement. Non. Et que je couche avec elle. Toi? Moi? Avec ma nièce? Mais non, avec la femme de ménage. Bon. Imagine le pétrin que ça. J'ai bien réfléchi. Attends. Eh bien, il n'y a pas de raison que je garde encore plus longtemps pour moi sans jeter sur toi. Que tu auras parlé? Brigitte? Oui. J'ai parlé avec elle, vous voyez? J'ai parlé avec elle, elle m'a conseillé de faire éclater la vérité. N'est-ce pas? Ah oui, la vérité, il n'y a rien de tel. Donc, je tiens à te dire que je sais que tu es son amant. Toi, c'est pas moi. Allez, t'arrêtes, je t'arrête, c'est pas moi. C'est pas moi qui lui dis. Mais non, c'est toi. Tu fais quoi, la femme de ménage? Ah, qui? Où ça? Ah oui, toi, vous. Ah oui, c'est la femme de ménage. Mais tu es la femme de ménage? Oui. Évidemment que c'est la femme de ménage, mais tu me racontes. Ah non, non, non. J'ai cru à l'instant que tu as cru que moi, j'étais l'amant de la femme de ménage. Alors moi, je me suis dit, ma femme des ménages. Ah, ça n'est pas mal, ma femme des ménages. Deux secondes, je la note. Je parlais de l'autre. Quel autre? Mais oui, vous savez bien que moi, je ne suis pas dans votre vie. Qu'est-ce que tu dis? Eh ben voilà. Ah. Oui, je me suis pas appris. Ah, c'est quoi? Je ne te fais pas dire. La couette que vous avez, c'est une bonne couette, j'espère, hein? Chaude et légère? Oui, un peu comme vous, quoi. Oh, ouais, on va vous dire des choses. Ouais, c'est assez bon. Il est inutile de mentir dans l'entente, je sais très bien que vous êtes son amant. À ce moment-là? Oui, non, non, c'est vrai, ça va. Ah, bah alors là, on est plein pied dans l'adultère monde. Ça, en plein. Tout ça, en plein. Donc, comme tu as une détresse, il est tout à fait normal que moi j'ai un amant. Sacré! Oui, j'ai appris ça. Alors, humeur publique. Vraiment, je ne sais pas qui c'est, évidemment. Donc, c'est pas qui c'est. Eh bien, je vais te le dire. Non. Alors, qui est-ce? Lui, là-bas. Ah, là, tu ne sais rien, là, tu rigoles. Ah, mais non, pas du tout. T'as pas plaisante, bien sûr. Bien sûr. J'écoute, il écoute. Oh, nous écoutons. Vous écoutez. Ils écoutent. Et je suis juste devant moi, il n'osera pas te soutenir le contraire. Mais enfin, vous vous rendez compte de ce qu'est en train de dire, Jacqueline? Tu te rends compte de ça, là? Non, pas encore, c'est vrai, mais ça veut dire si j'ai des précisions. Moi, je... Non, je pourrais pas faire ça, maintenant. Oh, il va falloir qu'il s'assume, le tonton.
préférez. Voilà. Sous la divise, tu préfères. Ah, non, pardon. Alors, les deux, comme tu l'as dit. Non, pardon, non, non, ça va. Ah. Je préfère le sous la coco, là. Ah, tu vas voir. La montée, la totale. Non, attends. Gaspard, tu vas voir. Non, mais écoute-moi, Bernard. Oh, oh non, oh je suis un bête. Où ça? Dans cette terre, toi. Oh, à côté de toi. Non, mais je ne vois pas, il est où? Mais t'es là, Bernard. Je suis un verre de terre à côté de toi, Bernard. Ah, mais c'est quand on est en c'est pas toi. Et toi? Qui est-ce qui nous met à manger à cette heure-ci? Tu attends quelqu'un? Non, non, mais ça va être le voisin qui vient chercher une glandaise. Le voisin. Oh, je vais m'en occuper, je t'ai expliqué. Ah oui, merci, hein, mais défie-toi, c'est un peu de colle. Hein. Oh. Ouh, alors les hasards, t'es pas pour moi. Hein. Bon, allez, toi, ça va être le moment de choisir. De choisir? Ouais. Entre sous la quinquée et ta quatre couchée. Non, attends. Et avec un verre de saké pour donner du courage. Oui, non, mais je te fais sous la quinquée. Avance. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Mais non, je suppose que vous venez pour la clé anglaise. Anglaise. Bien oui, vous êtes bien ici pour la fuite. Oui, c'est réparé ça, madame. Réparé. Je sors de chez eux. Mais de chez qui? De chez Poncelet. Allez. De vos voisins. Ah oui, de Poncelet. Il a revenu le premier. Ah. Alors, comme ils n'en viennent pas souvent, les joints sèchent et forcément, ça finit par craquer. Hein. Vous comprenez? Ah oui, mais je comprends bien. Et puis, vous savez, c'est comme ça. Hein. Et puis, j'étais complètement paniqué. Ils m'ont téléphoné, ils avaient les genoux dans l'eau. Vous rendez compte? Paniquer pour avoir les genoux dans l'eau, des gens dans la ville, quoi. Ah oui, ça fait bon, bref, mille, je saute de mon lit dans ma camionnette, et c'est pour ça que je m'excuse de me présenter comme ça devant vous, quoi. Hein. Parce que moi, je fais ça pour les paniers, quoi. Je suis pas plombier. Ah non. En réalité, je m'occupe du jardin des pensées. Ah, c'est ça, alors. Oui, je leur plante des impatiences au printemps, des pensées en hiver. Vous comprenez? Oui, non, je comprends très bien. Et ce sont des gens mais tellement gentils, ils n'ont pas l'occasion de rendre riche. Surtout qu'ils ne sont pas à part d'images. Des images? Bah oui, ils ont toujours un petit billet pour arranger le coup, comme ça. Mais tout le monde est content. Ah, oui, vous comprenez? Oui, je comprends très bien. Alors attendez, vous êtes ici pour quoi? En partant de chez eux, je suis passé devant chez vous, puis j'ai vu que la lumière était allumée. Oui, et alors? Moi, je me suis dit que si la lumière était allumée, vous ne devez pas dormir. Ça, c'est sûr. À moins que, bien sûr, vous soyez endormi. En laissant la lumière allumée. Parce que ça, madame, ce sont des choses qui arrivent, ça. Alors, étant si près d'elle, j'ai pu me retenir de taper juste pour lui faire un petit bisou, quoi. Un bisou? Bah oui, sans vouloir vous déranger, comme je ne la reverrai pas avant demain soir. Ah non? Ben non, mais non, elle passe la nuit chez vous, alors je fais juste un petit bisou et puis je m'en vais. Mais attendez, vous voulez faire un bisou à qui? Bah, Brigitte. Vous avez bien une étalée d'un extra, non? Oh, vous voulez parler de la femme de ménage? Oui, elle est bien ici, non? Et c'est pas elle qui voulait faire un bisou? Évidemment, oui. Ah, tu veux faire un petit bisou? Je suis ma plus femme chérie. Ah, parce que vous êtes son mari, oui. C'est pour ça qu'elle sera sûrement tellement contente de me voir. Je vais vous l'appeler. Excusez-moi des dérangements. Mais non, mais non. Brigitte? Oui. Venez, j'ai une surprise pour vous. Venez. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Regardez qui est là. Oui, qui est là? Et bien alors, qu'est-ce que vous attendez? Moi? Oui, faites-lui votre bisou. Pour faire? Bah, joue. Allez embrasser votre femme. Mais ce n'est pas ma femme. Comment, ce n'est pas votre femme? Non, la mienne est plus rustique. Bah, ce n'est pas votre mari? Mais je n'ai jamais vu ce monsieur. Mais enfin, voyons, vous m'avez dit que vous étiez le mari de la femme de ménage. Oui, mais pas celle-là. Hein. Comment ça, pas celle-là? Moi, j'en ai plus, elle est là. Je fais noir et puis je rappelle. Désolé, hein. Si vous cherchez une Brigitte, monsieur, oui. Il y en a bien un autre ici. Non, mais ça ne peut pas être ça que vous cherchez. Ah bon? En tout cas, ce n'est pas moi, alors, comme je ne peux plus vous être utile, je vous dis que je vais. Ah non, je vous en prie, c'est bien, bonne soirée. Parce que tout à l'heure, on est appelé. Donc, si je comprends bien, elle n'est pas femme de ménage. Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas dit ça. En tout cas, ce n'est pas la mienne. Mais dis donc. Ça va parler d'une autre Brigitte. Oui, non, mais elle veut pas être la votre. Je ne sais plus ce que vous savez. Eh bien, parce qu'elle est toute seule. Alors, attends, viens tirer la même chose dans l'autre sens. C'est dans ce sens-là. Mais c'est encore un C'est-à-dire que tu as pas donné sa clé anglaise? Non, elle ne servait à rien. Ah bon? Ah bah alors, à ce moment-là, il faut appeler directement le plombier, mon vieux. Oui, cher monsieur. Mais le plombier, c'est lui. Ah bon? Je jardine, oui. T'as fait de la plomberie dans le jardin? Non. Je jardine. En faisant de la plomberie, oui. Allez, vous plantez les tuyaux, vous soutenez les géraniums. Mon mari. Monsieur. Monsieur. Et mon amant.
Oui. Ah oh. Oui, ça se passe en famille, quoi. Paris, l'amant, j'arrive aussi à la campagne. Vous qui êtes à la campagne. Oui. Marchez-vous. Ouais. Quand un mari tombe sur l'amant de sa femme, ouais. Qu'est-ce qu'il lui fait? Je le ris. Oh. Je n'ai pas l'air comme ça. Mais là, je le casse en deux. Oh. Alors, l'amant. C'est tout à fait ce que je pense, hein. Non, 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 me casse en deux, me casse. En fait, vous êtes qui, vous? Monsieur, j'en ai déponcelé. Déponcelé? Ah. Oui, déponcelé, nos voisins. Ah oui? Ah, vous faites un très beau métier, monsieur. Ah oui, toujours dans la nature, la seule qui ne manque pas. Oh, comme vous dites vrai. Et monsieur le jardinier est ici pour faire un bisou à Brigitte. Ah oui, mais celle qui là, ce n'est pas la mienne. Hein. Ah non, celle qui là, ce n'est pas la sienne. Il en cherche une autre. Une autre? Qui s'appelle aussi Brigitte. Mais qui s'appelle aussi Brigitte. Ah oui, ça peut prêter à confusion, là. Hein. Et monsieur et son mari. Son mari qui est là. Oui, mais je vous ai déjà dit que celle qui était là ne peut pas être la vôtre. Puisqu'elle est la maîtresse de mon mari. Ah ben, décidément, ça sera toujours en famille. Non, ça ne peut pas être votre femme de ménage. Ah oui, parce que la femme de monsieur est femme de ménage. Ah, la femme de ménage. Oui. Pourquoi faire? Allez chercher ma femme de ménage ailleurs. Ailleurs? Oui, dans la maison. Frappez n'importe où, là, vous ouvrira. C'est marrant, j'ai déjà entendu ça quelque part. Mais ça marche toujours. Espérons. Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre. C'est même le ravis de la reconnue. Vous savez. Si on ne peut mettre un plombier. Ouh là. Je suis tellement perturbé. J'ai oublié ma casquette. C'est bizarre. Dans le sensation. De sensation. Il me semble que c'est Brigitte que vous avez là. Il me semble que je la sens. C'est pas possible, c'est pas possible. Ça, oh. Sur vous. Pas sur vous, là. J'appellerai Jasmin. C'est un vrai boucheron, ça. Sur vous. De Chantal. Un bûcheron. Par ici. Le seringard. Enfin, vous. La bergamote. Mais dites-moi, vous êtes un vrai chien de chasse, vous. Oh, ouais. N'est-ce pas, jardinier? Mais. Il flotte ici. Non, le numéro 5 de Chanel, et justement, parfum de la beuverie, c'est moi. Oh, mon papa! C'est celui-là? Mais ils se connaissent? Un peu, on se connaît. Vous ne dites rien, je sais d'où. Mais de quoi? C'est ton amant. Oh, yeah!
mariage, j'en viens. Mais la dernière fois, c'était au mariage de Solange. Ah oui, il m'a démolié tout. C'est beau la famille quand même. On a vu tellement l'occasion de se vendre, on va donner 36 quoi. C'est une branche qui se fait tellement rare. Écoutez, l'essentiel c'est de la reconnaître dans la roue. Voilà, c'est ça. Je suis bien d'accord avec vous, vous permettez. Oh, vraiment, je suis content de te voir. Tu vas changer de place avec moi, non, c'est bon, c'est pas mon nom. Non, mais ça m'a fait vraiment plaisir de te revoir, mais tu n'as vraiment pas changé, hein. Ton nom. Il est toujours aussi brut. Aïe, 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 aïe. J'ai l'impression que vous avez déjà allé vous coucher. Oui. On ne peut rien vous cacher. Simplement, on n'avait pas encore décidé. Qui avec qui? Je n'aime pas, j'adore. Ah oui, j'adore. Dites, madame, est-ce que vous avez encore besoin de moi pour la nuit? Ah, ça pour la nuit, sûrement. Ah, parce que vous savez, passer une nuit sans lui, c'est toujours difficile. Et surtout pour elle, hein. Tu veux m'attendre, mon copain? Oui, ma brie. Je vous remercie, j'en ai pour une seconde, hein. Mais ça, c'est une bonne idée. Excusez-moi, mais moi, je dois y aller. J'ai mes semis demain à 5h. Ah ouais, tu es toujours dans tes semis? Ah oui, toujours. C'est que les semis, c'est fragile. Il va recommencer. Mais regardez où on met les pieds. On va pas les déranger. Hein? La nature, elle est capricieuse. Capricieuse, hein? Saleté. Hein? Quand on la dérange, c'est comme quand on dérange les gens. Après, ça change pas l'ordre des choses, hein? Alors, excusez-moi pour ce petit contretemps, mais moi demain, j'ai mes semis, hein? Mais non, ça a été une joie de vous avoir. Mais attendez, excusez-moi. Ma casquette. Ah, bonsoir, monsieur. Au revoir. J'ai été enchantée de vous parler. Vous voulez que je dise ça, là? Eh bien, il a sa vocation, cet homme-là. Ah, comment tu trompes? Si. Il aurait dû être horloger. Horloger? Ah oui. C'est un as pour remettre les pendules. Ah, non, moi je trouve qu'il est pas mal non plus en jardinier. Il a le geste auguste du semeur. Maintenant qu'il a marché dans l'esprit, ça doit être porter bonheur. Ouais. Ça, sûrement. Allez, pour inutile de faire les comptes maintenant. Mais hein, si, c'est ça. Non. Et puis lui, pendant qu'il va me donner des images, ça va. Moi le tout à l'agence. D'accord. Bon ben madame, merci, hein. Monsieur, merci, hein. La langouste, elle était extra. Comme moi. Ah ouais. À propos. Dis-moi, Bernard, j'espère que tu n'as pas cru un mot de ce que je t'ai raconté sur toi et moi. Oh mais non. Je sais bien qu'un ami comme toi ne ferait jamais un coup pareil. Oh, il y a bien des désillusions dans la vie comme donc des confiances à personne. Eh oui. Oui. Simplement, tu vas bien me faire marcher, voilà. Voilà, c'est ça, oui. Oui, j'ai compris. Tu as voulu te venger de moi parce que tu as cru que j'étais la mère de la femme de ménage. Bon, je peux comprendre. Oui, c'est ça. Je vois que tu as tout compris. Simplement, ce que je voudrais que tu m'expliques, ouais. Oh là là. C'est pourquoi tu as offert un gros écureuil de palais tuvier à la femme du jardinier les Poncelets. Écoute, je suis absolument ravi que tu poses cette question. Alors là, figure-toi que. D'ailleurs, si tu ne l'avais pas posé, ben, je me la serais posée tout seul. Ah oui. Bon. Et ben voilà. Comme il était un peu gêné, pas tantôt, hein, lui, vous, il m'a demandé de le faire à l'avance. Hein? Mais je dois te dire qu'il m'a déjà remboursé. Hein, oui, bon, je ne peux pas dire le contraire. Donc, c'est vous qui l'avez offert à la femme du jardinier des Poncelets? Ben, pas du tout. Non. Mais non. Attendez. Comment ça, non, t'as pas compris. Elle a acheté, elle a pas offert. Elle est pas partie avec. Alors, qui dit ce manteau? Eh bien, il est là, à lui. Les féroces. À vous. Non, bleu. Les féroces. Attends, c'était les soldes. Non, non. 7 000 euros, tout pareil. Je sais pas, moi, j'ai... Attends, hey, il va l'essayer, tu vas voir. Non, allez. Bon, pour faire plaisir. Allez. Non, l'autre bras. Oui, comme ça. Non, l'autre. Non. Comme ça. C'est plus quoi sa taille? C'est un 34. On dirait un ours
sur la gueule. Non, non, non. Parce qu'il a l'air non, non, non. Non, mais non. Tout à l'heure. Mais il n'y a qu'un dit.
Oui. Il arrive plutôt beau. Pourquoi? Pour cette fille surtout. Parce que j'ai l'impression qu'elle pourrait te plaire. J'ai des idées dans ta tête. Réfléchis, ils sont ensemble. Enfin, je vais pas prendre la femme d'un ami. Oui, mais comme ils n'ont pas l'air de tenir l'un à l'autre, n'aimez plus ton copain. Tu tiens vraiment? Bon, allez, c'est promis. Ils ne viendront plus jamais ici. Oh. Ah, voilà. Ah, mais mes amis, hein, des week-ends comme celui-là, on ne les oublie pas. Alors, la bouffe super, la boisson extra, et puis là, la langouste. Mon Dieu, mon Dieu. Eh bien, alors, des week-ends comme celui-là, vous n'avez pas besoin de téléphoner pour confirmer. Hein. Ah, on viendra la semaine prochaine. Thank you.